just going home. Have a late, late show. Don't want to meet me at home. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une journée dans mon assiette. Ça fait super longtemps que je veux en faire une, mais je savais pas trop quel format faire. Avant je faisais beaucoup avec de la musique et tout, mais très souvent je recevais des remarques de personnes qui parfois étaient un peu violentes, en mode tu manges pas assez ou tu manges pas assez, trucs comme ça. En fait ça me permettait pas ce format là de vous expliquer vraiment la manière dont je mange et tout ça, et d'apporter peut-être un avis plus constructif. Donc j'en ferai d'autres, parce que visuellement et artistiquement, si on peut dire ça, je préfère largement avec de la musique et juste des images. Mais voilà. Donc aujourd'hui, alors ce matin j'ai mangé mon pain normal avec beurre salé et mon café. Je mange ça tous les matins. Par rapport aux quantités, franchement je vous les partage là, mais chacun fait comme il veut. Juste manger pour pas avoir faim en fait. Donc je mange une demi baguette, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais moi ça me cale vraiment, et voilà. Donc ce midi, aujourd'hui donc on est samedi, et donc j'ai un peu de temps et j'ai décidé de tester une nouvelle technique. Je vais vous montrer ça, je suis trop fière de moi, donc n'hésitez pas à faire la même chose pour manger gratos. Donc à chaque fois que vous utilisez mon code promo et que moi j'utilise le vôtre, chacun enfin de nous à 5€, donc pour la première commande, et si vous partagez votre code de parrainage avec vos potes et qu'ils l'utilisent une fois, ils ont 5€, et vous à chaque fois vous avez 5€. Je voulais remercier ceux qui l'ont utilisé, voilà, ça me permet d'avoir des 5€ offerts, sauf que on peut pas les cumuler. Donc ça c'est le problème, parce que imaginons, allez on va dire ça, je veux me faire livrer un burger vegan, bah je vais quand même devoir payer 8€ moins 5€, donc 3€, plus la livraison qui est souvent chère. Néanmoins, j'ai trouvé une solution, donc au lieu d'aller dans livraison, je vais dans à emporter. Juste ici, il y a un peu moins de choix, mais en fait, à chaque fois, je peux choisir quelque chose. Donc là, on va dire que je vais me prendre des sushis. Donc souvent, je vais dans les entrées ou du riz tout seul, ou voilà. Entrée, imaginons, je me prends des raviolis aux crevettes. Je vais sans doute pas prendre ça, mais imaginons on fait ça. Donc là, comme vous pouvez constater, avec mon code promo, je paye 0€. Donc personnellement, je vais faire ça sur plusieurs magasins. Je vais aller me balader, moi ça me dérange pas de marcher un peu, et je vais vous montrer un peu ce que je peux avoir à la fin. Alors je suis d'accord que tout le monde n'a pas beaucoup de personnes qui utilisent leur code promo, mais par exemple je vous mets le lien ici. Si vous l'utilisez une fois sur votre première commande, vous avez déjà 5€, et après il suffit que vous partagez à vos potes et tout. Enfin, moi je sais que voilà, enfin genre j'ai pas une assez grosse communauté pour qu'il y ait 200 personnes qui utilisent mon code promo, donc je vais sans doute faire ça avec mes potes. Et c'est vraiment une technique que je vous conseille, parce que au lieu de, enfin vous faites pas ça tous les midis, mais de temps en temps ça fait plaisir, donc voilà. Ok les gars, donc là je suis revenue et je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. J'en ai eu pour 90 centimes. Pourquoi 90 centimes? Parce qu'à un moment ça a dépassé de 90 centimes, donc je l'ai quand même pris parce que je voulais tester. Donc je vais vous montrer les trois restaurants que j'ai testés, et puis vous donner mon avis un peu concret. Donc là c'était Pokawa. Alors déjà un truc qui me dérange, c'est le fait que ce soit dans du plastique. On peut pas voir ça sur l'application Uber Eats, donc c'est fortement dommage. Le truc c'est que je pensais que ce serait dans du carton, car quand j'avais goûté leurs Pokawa, qui sont d'ailleurs très 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 bonnes, enfin leur Pokéball, enfin bref, c'était dans du carton. Donc ça c'est des algues. C'est vrai que pour 5€ je trouve ça un peu cher quand même, mais bon j'avais envie de tester. Ensuite donc Sushi Panda, j'ai pris deux sushis. Pareil, pour 4-5€, c'est pas donné. Après, ça reste... Ça, c'est une chaîne, mais je crois que... les deux autres que je vous présente, c'est...
des gens qui ont un restaurant, donc moi je trouve ça quand même normal parce que tu payes une prestation. Et donc voilà, donc ils m'ont donné de la sauce soja sucrée, je pense la garder pour un autre jour ou récupérer les pots. Aussi j'ai une question, je sais qu'à Rouen ça et ça, ça se recycle, mais est-ce qu'à Lille ça se recycle? J'arrive pas à avoir la réponse. Ensuite j'ai testé un troisième restaurant, qui est un restaurant brésilien. Je voulais vous en parler parce que en fait ils avaient pas ce que j'avais demandé et donc ils m'ont mis d'autres choses et ils sont adorables, ils viennent d'ouvrir. Je suis consciente du fait, attention, que c'est pas le plat le plus équilibré au monde, hein, je mange pas ça tous les jours, mais juste... Pourquoi c'est allumé là-haut? Je l'avais éteint ce matin. Mais juste, j'avais envie de me faire plaisir et de temps en temps ça fait du bien et je voulais vous montrer comment je faisais pour avoir des trucs moins chers. Et voilà, donc je vous conseille le nouveau restaurant qu'a ouvert, sachant que c'est dans du carton, donc ça c'est cool. Et de dehors, ça paye pas trop de mine, enfin c'est pas... J'étais un peu en mode de... Mais par contre à l'intérieur c'est hyper clean, hyper propre et c'est plus important. Donc voilà. Bilan de ce midi, les algues, contre toute attente, c'est super bon. Genre ok c'est un peu cher mais franchement c'était vraiment bon. Les trucs brésiliens je crois, et j'ai très peur que ce soit de la viande que j'ai mangé, parce que plus je... enfin en fait je le mangeais, je me disais mais ça a vraiment goût de viande et tout. Au début je me suis dit non, vraiment je pense que c'est en mode c'est juste ressemblant, mais ça m'étonnerait. Donc je sais pas, enfin ça me fait un peu chier quoi. Et les sushis, bah c'est des sushis donc très bon. J'ai pas eu trop faim pour goûter et tout, mais ce soir je vais essayer de faire un plat un peu plus bon pour la santé, enfin dans le sens où c'était pas mauvais, mais genre tout ce qui vient des restos et tout, souvent c'est un peu plus transformé donc c'est moins bon. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment cet avis là que faut essayer de cuisiner au maximum par soi-même. Donc j'ai ce légume, mais en fait je sais pas ce que c'est. Je l'ai pris chez mes parents comme ça, je l'ai mis dans ma valise, mais je sais pas ce que c'est. Donc si quelqu'un sait. Et après j'ai des lentilles, voilà, franchement c'est des lentilles en conserve, mais elles sont très très bonnes. Les lentilles c'est très bon, souvent je les mange juste comme ça. Donc en fait je vais essayer de faire des... Comme je sais pas comment ça se cuit et tout, je vais essayer de faire des frites, de trucs comme ça. Je vais vous montrer, c'est hyper simple, c'est super bon. Je fais ça avec de la pâte à dodo d'habitude. Donc je vais le rincer parce que je sais que ma mère achète bio. Donc j'ai pas besoin de l'éplucher. On va essayer, ça se trouve ça va être un total fail et je vais pas avoir à manger ce soir. Parce que de base je mangeais... Je devais sortir et finalement avec Tom on s'est dit qu'on sortait pas parce qu'on avait trop la flemme. Donc je vais vous montrer ça. Merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde, ça marche pas. C'est, je vais essayer de le... C'est vraiment bizarre. Je vais essayer de le mettre au four. J'espère que ça va genre vous savez, le ramollir et qu'après je pourrai le couper. J'ai sorti les trucs du four, après je suis un peu déçue du résultat. En fait j'aurais dû, je vais essayer de vous montrer, en fait j'aurais dû enlever la peau parce qu'elle est devenue super dure. Je pensais que ça ferait comme la peau de la pâte à douce, donc je vous conseille plutôt de reproduire ça avec des pâtes à douce, des aubergines et des poivrons et des carottes, genre ça marche. Mais là j'ai l'impression que ça marche pas trop, en vrai je vais juste essayer d'enlever à chaque fois la peau. Je vais manger ça je pense avec un peu de sel, de mayonnaise, de sauce soja, enfin je vais voir, je vais me faire des petites sauces. À côté je vais prendre juste des lentilles. En vrai le soir souvent je mange juste des légumes et pas de féculents parce que comme je bouge pas trop et tout, enfin ça me sert à rien. Tout le monde, donc actuellement il est 22h et je suis en train de faire mon montage et je voulais vous montrer mon petit dessert. Donc ça dépend, des soirs je reprends, des fois je reprends pas, mais voilà, quand j'ai envie, genre vraiment je m'écoute, enfin c'est le truc que j'ai à faire le plus en ce moment. Ça veut dire que si j'ai pas trop faim je vais pas me forcer, mais par contre si j'ai faim bah je vais me faire plaisir et mon corps s'adapte, voilà. Super le conseil. Bref, fromage blanc avec du sucre,
un petit pépito marque sous marque et une tisane. Voilà, moi la perso, je vais aller faire mon montage. Donc je vous retrouve un autre jour. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta. Et bye la mif.